Bonjour, bienvenue à Agora l'émission. Aujourd'hui, le thème sera le carnaval des Capucines. Expliquez le déroulement de cette matinée. Eh bien, aujourd'hui, nous fêtons carnaval à la crèche, en compagnie des enfants de l'école et de toute l'équipe de l'école. Et qu'est-ce que vous avez organisé pour les enfants ? Eh bien, dans un premier temps, un petit spectacle en rapport direct avec le thème du carnaval. Donc, il y a eu déjà toute une préparation en termes de décoration entre les deux équipes. Les enfants de la crèche ont participé à la décoration, de même que les enfants de l'école, de façon à pouvoir créer une ambiance et un lieu convivial pour pouvoir organiser et vivre ce carnaval. Et vous faites ça chaque année ? Oui, ben depuis l'ouverture de la crèche, oui. C'est un moment très fort, un moment aussi qui permet un regroupement également, de partager des moments de fête entre les enfants de l'école et de la crèche. La matinée a commencé par un petit spectacle réunissant les héros des chansons enfantines. Après les chansons, les enfants se sont régalés de quelques crêpes avant de faire la fête. Une superbe matinée aux Capucines. La crèche et l'école se rencontrent. Ben en fait, c'est vraiment l'objectif que la commune s'était donné pour l'implantation de l'école maternelle des tout-petits avec la crèche. La proximité, donc partager des moments ensemble, les plus petits de la crèche avec les élèves de l'école, et partager des moments festifs tels que le carnaval. Princesse comment ? Et t'as aimé les crèches ? Toi, tu es déguisée en quoi ? Spider-Man. T'aimes bien Spider-Man ? En la parole. En la parole. Constant. J'ai juste en la parole. Pourquoi? C'est le chevalier des princesses.